on a pu vraiment évaluer que les 36 films que nous évoquions en danger n'étaient finalement pas 36 mais 60, et qu'il y avait véritablement péril, en tout cas, pour un certain nombre d'entre eux. Pour certains, une question de calendrier, avec l'urgence de la sortie en salle. Pour d'autres, c'est une urgence commerciale, avec une vraie problématique technique de sécurité des éléments, enfin des rushs ou des images. Et puis pour d'autres, bah c'est un vrai péril technique dans la mesure où, par exemple, des effets spéciaux qui ont été réalisés, on ne sait pas où ils se trouvent, il faut les dupliquer, il faut les sauvegarder. Comment va-t-on faire? Compte tenu de la procédure judiciaire, qu'est-ce qui va se passer? S'agissant des films frais, évidemment, la situation est plus difficile. C'est vraiment, la situation en plus est différente selon les entités, selon les films. Mais on est assez confiant dans la capacité, dans les jours et les semaines qui viennent, de pouvoir trouver des solutions pour que chacun de ces films puisse sortir dans de bonnes conditions.